c'est qu'ils euh, connaissaient ce problème, mais ils sont stupéfaits par l'ampleur euh, de ce qui s'est développé autour. C'est-à-dire qu'ils disent que ce n'est pas juste le trafic, c'est un système de corruption quasiment généralisé qui s'est mis en place... Y compris des agents. ...dans les ports, et des agents, effectivement. Et l'un des membres de son cabinet m'expliquait, par exemple, qu'ils ont des remontées de la part des services de renseignement qui les inquiètent beaucoup parce qu'ils voient que ces mafias telles que c'est désigné elles-mêmes, par exemple, eh candidate massivement, envoient massivement des candidats, par exemple, sur les concours de gardiens de prison. Infiltrer ensuite les centres pénitentiaires et avoir des personnes placées à l'intérieur des centres pénitentiaires, des personnes qui seront rentrées par le concours, tout à fait euh, légalement euh, parlant. Et donc c'est une information qui les inquiète beaucoup et qui évidemment ces concours sont regardés d'extrêmement près par les services de renseignement. Donc c'est un système à très grande échelle. Ce Avec dit, une, institutionnalisation, la... une ouais. institutionnalisation de la corruption et de ce nouveau système de mafia.